encore une fois, nous sommes venus, Seigneur, encore une fois pour chanter Pâques avec obstination, pour défier avec toi les forces des ténèbres, pour crier et pour croire encore que la nuit ne peut empêcher Dieu de faire lever la lumière. Nous sommes venus pour cueillir l'espérance auprès de toi, pour trouver la joie qui se lève et se maintient au milieu des doutes et des peurs, pour prendre auprès de toi la joie qui surgit, qui tient bon face aux conflits et aux difficultés, pour recevoir de toi la vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici donc, Seigneur, pour te regarder à l'œuvre, toi, notre Dieu, Seigneur, dont l'unique travail, dont l'unique occupation depuis le commencement consiste sans relâche à relever la vie pour l'éternité. Amen. Alors chantons la joyeuse nouvelle de la résurrection avec notre premier chant de Pâques au numéro 303. Qui fermait le tombeau a été enlevé. Le tombeau est vide, une absence pour nous dire que le Seigneur est à nos côtés. Il est ressuscité. Christ a souffert pour habiter nos souffrances. Il est mort pour nous montrer qu'il nous accompagne partout. Il est ressuscité pour que sèchent nos larmes et que plus rien dans notre vie nous pèse, nous piège ou nous angoisse. Il est ressuscité pour que s'ouvrent toujours devant nous les portes de l'espérance. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue en ce matin de Pâques à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et paroissiennes et une bienvenue toute particulière si vous êtes ici de passage ou en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Ensemble, tous ensemble, nous sommes venus pour louer Dieu et nous réjouir de sa victoire sur la mort. Entrons dans la prière. C'est Olivier qui nous conduit dans la prière. Sur les chemins quotidiens de notre vie, où tu nous précèdes et nous attends, Jésus, apprends-nous à ressusciter. Car la résurrection n'est pas un état final qui adviendrait brutalement à notre mort. C'est une éclosion. C'est une avancée. Jésus, apprends-nous à ressusciter, car on apprend à ressusciter comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. À ta suite, Jésus, vivre, c'est apprendre à ressusciter, c'est apprendre à vivre en homme et en femme chaque jour de façon humaine, tout simplement. C'est apprendre
à donner de soi, c'est apprendre à croire que Dieu se consacre au bonheur du monde. C'est apprendre à espérer que la vie a un sens, que la mort est un passage. C'est apprendre à aimer à la façon de Dieu, à écouter l'Esprit de Dieu en nous. C'est apprendre à s'arracher au mal, à partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie, à refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter. C'est apprendre à vivre selon l'Évangile, parce que c'est le chemin que tu as tracé, Jésus, et sur lequel tu nous précèdes, afin de nous introduire dans ta résurrection. Mais, Seigneur, croire à ta résurrection n'est pas si facile. C'est pourquoi nous te le demandons. En ce jour où nous voyons la lumière percer les ténèbres et la vie triompher de la mort, par ton pardon, souffle sur les braises de notre foi, écarte tout ce qui, dans notre vie, fait obstacle à l'espérance, pour que nous puissions avec joie renouveler les engagements de notre baptême et être témoins au cœur du monde d'une espérance nouvelle. Amen. Notre Père, merci pour Jésus-Christ. Par son passage à travers la mort, il a définitivement orienté notre voyage vers la vie. Nous t'en prions, Père de Jésus-Christ et notre Père, que ton pardon reçu ravive en nous la joyeuse nouvelle de sa résurrection. Qu'elle demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinée. Amen. Et je vous invite à poursuivre par le chant avec le numéro 311. Le Seigneur Jésus.
ce jour, nous te prions, toi, le maître de la vie. Éveille en chacun de nous la force de ton espérance. Réveille en nos cœurs le souffle de ta vie. Réveille nos désirs d'aller sur tes chemins. Oui, nous te prions, toi, le maître de la vie, éveille-nous, réveille-nous par ta parole de vie. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe en portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent ces paroles. Elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques. Leurs autres compagnes le disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblèrent en délire et ils ne croyaient pas à ces femmes. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que les bandelettes. Et il s'en alla de son côté en s'étonnant de ce qui était arrivé. Nous lisons également dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 et 38. Le dernier jour de la fête, qui était aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. » Comme l'a dit l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Nous nous levons pour chanter le cantique 321, les strophes 1, 2 et 4.
Nous y voilà donc une nouvelle fois à ce dimanche de Pâques, ce climax de l'année liturgique, ce point culminant de la spiritualité chrétienne. Une nouvelle fois, nous voilà annoncer la victoire de Jésus sur la mort. Mais comment en faire autre chose que le souvenir d'une page d'histoire lointaine ou qu'une vague espérance que la mort n'a pas le dernier mot? Comment entendre cette année cette nouvelle de la résurrection comme une nouvelle, décapante, bouleversante, et non pas comme une ritournelle? C'est notre défi, le défi de chacun d'entre nous, et quel que soit notre contexte particulier. Et c'est vrai que, globalement, le contexte n'est pas très facile. La guerre est en Europe à nouveau, et les images de désolation de part et d'autre du monde se succèdent. Pas évident d'entendre la bonne nouvelle de la résurrection comme une victoire de la justice et de l'amour sur les forces du mal qui sont à l'œuvre. Et puis, il y a parfois aussi notre contexte personnel qui peut être pesant. La vie n'est jamais avare de coups durs qui nous arrêtent, nous cassent, lorsque la maladie nous frappe ou touche un de nos proches, lorsque ce sur quoi nous avons construit notre vie commence par s'effriter. Et on connaît tous dans la vie de pareils arrêts, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient dus parfois à nos choix, à notre manière de vivre, ou parfois qu'ils nous tombent dessus sans que nous n'y puissions rien. Et constamment, la vie nous rappelle qu'elle est fragile, et nous essayons toujours de la consolider, de la renforcer, en mettant notre assise dans ce qui nous tient debout, que ce soit notre famille, notre travail, notre santé, nos loisirs. Mais là encore, nous nous rendons bien compte que le combat est inégal, parce qu'il arrive toujours, à un moment ou à un autre, où notre assise se fragilise, et parfois même, il y a des cassures. Alors les disciples, depuis le dimanche des rameaux, sont passés par tous les états d'âme, de l'effervescence la plus grande à la détresse et l'incompréhension la plus profonde. Tout ce sur quoi ils avaient voulu construire leur vie s'est effondré. Leur vie est un véritable champ de ruines. Ils sont désemparés. Et c'est dans ce contexte de désolation qu'ils vont devoir entendre et apprécier cette bonne nouvelle de la résurrection. Et on le voit que même pour eux, il n'y a rien d'évident. La résurrection ne peut être appréciée avec nos seuls outils de compréhension classique. Si le récit de la Passion peut, jusqu'à un certain point, avoir une base historique et qu'on peut donc tenter de le comprendre avec nos outils classiques d'analyse, de connaissance, la résurrection sort de ce cadre. Alors certes, il est essentiel, et c'est là même le cœur de notre foi, d'attester la présence au cœur même de notre monde et de notre histoire mondaine de la figure du Christ, le Fils de Dieu, frère en humanité. Mais la résurrection ne peut se réduire à un seul événement de l'histoire. La résurrection, c'est certes la victoire de Jésus sur la mort, comme l'atteste le tombeau vide, mais c'est bien plus que cela. Elle ne se résume pas à la victoire du héros qui finit toujours à la fin de l'histoire par triompher et ou s'en sortir miraculeusement. C'est plus que la victoire de Jésus sur la mort. C'est une espérance pour demain. C'est un signe que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. L'amour de Dieu se débrouille toujours pour passer même à travers la pierre roulée du tombeau, même à travers la mort. Mais il y a encore plus
qu'une espérance pour l'au-delà de la mort dans cette bonne nouvelle de la résurrection. Il y a ce rappel qu'en Christ, il y a comme un torrent de vie que rien ne peut arrêter. Le Christ n'a-t-il pas dit peu avant sa mort, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Aujourd'hui, dimanche de la résurrection, nous célébrons la victoire de la vie, non pas parce que c'est le printemps et que la vie renaît après la traversée de l'hiver, mais parce que nous pressentons qu'en Christ, il y a cette source de vie offerte à chacun. Alors clairement, il ne s'agit pas d'annoncer la résurrection comme un voile qui cache la réalité ou comme un onguent qui masque les plaies. La réalité est dure, elle est parfois cruelle, et il ne s'agit pas de la nier. Les forces du mal sont à l'œuvre, mais il s'agit de voir comment, au cœur précisément de cette réalité, au creux de nos cassures, peut couler ce torrent de vie. Alors, je suis toujours frappé de constater combien dans certains milieux chrétiens, on est comme parfois gêné par l'image du Christ souffrant, abandonné du vendredi saint, comme si dans certaines communautés, on voulait sauter à pieds joints du dimanche des rameaux à la glorieuse célébration du Christ ressuscité. Seul le Dieu triomphant, le Christ en gloire, celui des miracles prodigieux, semble pouvoir les rassurer. Or, ce qui me touche personnellement, c'est au contraire que Dieu, dans la figure du Christ, soit descendu au plus profond des ténèbres. Non pas un Dieu qui survole le monde et y dispense du haut de sa grandeur quelques miettes de son amour, mais un Dieu qui descend tout en bas pour y semer depuis le fond, au creux de notre vie, cette force de vie. La réalité n'est jamais à nier, mais depuis ce matin de lumière, nous osons poser sur elle un autre regard. Cette force de vie que le Christ nous offre est d'abord un chemin de croix, c'est-à-dire qui se donne à voir à travers la dure réalité du monde, celle où des personnes innocentes sont violentées, torturées, maltraitées, celle où nous devons chacune et chacun de nous affronter des difficultés et composer avec nos faiblesses et nos passages au désert. Cette réalité, cette violence du monde, même si le Christ l'a prise à son compte en acceptant de mourir de la manière la plus indigne qui soit, reste un mystère, une énigme, un ébranlement pour nous les croyants. Car même si le Christ nous promet la vie, comment est-ce possible qu'il y ait encore tant de souffrances et d'injustices? Même si je dois bien le dire, j'ai été dans ma vie épargné. J'ai été confronté dans mon ministère à des situations tragiques qui ont ébranlé ma foi, ma liste, la liste de questions que j'aurai à poser au Seigneur lorsque je le verrai face à face s'allonge au fil des ans. Mais je crois que ce n'est pas dans l'effacement des difficultés, la non-prise en compte du réel qu'il faut trouver notre chemin, mais au contraire, en essayant d'insuffler au creux de la réalité, aussi difficile soit-elle, une espérance. L'autre jour, avec mes catéchumènes, alors que nous traitions du sujet de la mort, nous avons été frappés par le fait que la mort, si elle fait peur, qu'elle est douloureuse, qu'elle ébranle et menace la vie, en même temps, si vous l'enlevez de la vie, la mort, eh bien la vie perd tout son sens, toute sa valeur, en se perdant dans une éternité qui ne serait plus à comprendre que comme une malédiction, bien plus
qu'une bénédiction. Alors comment faire pour que dans ce contexte de fragilité de la vie, nous puissions trouver en nous cette source de vie, ce lieu d'amour qui donne à notre vie assise et force pour affronter les turbulences. Comment retrouver en moi cet élan de vie, cette énergie vitale? Comment faire face au pouvoir des énergies destructrices qui sont autour de nous et parfois même en nous et qui nous rongent? Comment faire pour retrouver en soi les énergies créatrices, ces forces de vie? C'est là, je crois, que nous devons, tels les disciples au matin de la résurrection, qui, sans comprendre ce qui se passe vraiment, pressentent que quelque chose est en train de se jouer, nous devons nous en remettre, nous aussi, à plus grand que nous, à cette puissance de vie, et faire le pari de la foi. Non pas une foi qui sait et qui comprend, non pas une foi qui a réponse à tout, mais une foi qui espère et qui croit, une foi qui fait confiance que depuis ce matin de Pâques, cette force de vie, cette énergie créatrice de Dieu qui lui a permis de créer le monde et la vie, cette énergie créatrice, eh bien, il veut la faire souffler en nous et à travers nous. C'est alors en nous qu'il faut oser creuser. C'est en reconnaissant ses propres faiblesses et en s'acceptant fragile, en s'abandonnant à la grâce de Dieu, que l'on peut découvrir une énergie vitale. Il faut oser se lâcher prise, abandonner quelques certitudes ou garanties pour descendre au plus profond de nous. Mais cette descente, nous pouvons y consentir car nous ne l'entreprenons pas seuls. Nous y allons avec le Christ qui nous accompagne à la découverte de notre être profond. Là où, dépouillés de tout artifice, dénudés, nous nous découvrons tels que nous sommes, mais surtout où nous nous découvrons aimés pour ce que nous sommes, aimés et soutenus, bénis. Croire, faire le pari de la confiance en Dieu, c'est prendre le risque de ne pas rester à la surface des choses, mais de descendre, descendre même en soi, dans nos ombres d'ombre, pour y retrouver et libérer cette source de vie que le Seigneur a mise en nous. C'est Paul qui a dit aux Philippiens, « Je peux tout en celui qui me rend fort. » C'est là, je crois, le grand message de ce matin de Pâques. Non pas que Dieu ait transformé d'un coup de baguette magique la parfois dure réalité du monde, mais qu'il veut, au prix de la vie de son Fils, nous sauver de la désespérance. Non pas, encore une fois, en nous promettant une vie sans aspérité, mais en nous aidant à nous laisser irriguer par ce courant de vie. Ce matin, nous ne croyons pas seulement que le Christ a triomphé de la mort une fois il y a bien longtemps, mais qu'aujourd'hui encore, il combat contre toutes les forces de mort, y compris celles qui sont en nous, pour nous ouvrir toujours et encore à la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Amen.
Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, on t'a cherché là-bas, près du tombeau. On t'a cherché parmi les morts, mais on avait tort, car tu es vivant. Comme tu es allé à la rencontre de tes disciples, tu viens aujourd'hui encore à notre rencontre pour nous montrer que tu es le Dieu de vie, que ton amour est plus fort que tout, plus fort que la mort. Seigneur, tu es passé de la mort à la vie, c'est Pâques, et cette vie que rien ne peut arrêter, tu nous la donnes. Avec toi, à nos côtés, nous nous avançons avec confiance et joie sur les chemins de la vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Nous chanterons au cantique 319, les strophes 1 et 2. Accueillons-nous dans la prière. Si Dieu est aux côtés du monde, où pourrions-nous être, nous qui prétendons avancer à la lumière de l'Évangile, sinon aux côtés du monde, de tous les endroits où des vivants sont cloués, cassés, sur les chemins de tous les abandons, de toutes les angoisses. Où pourrions-nous être, de par notre foi même, ô Dieu crucifié, et ressuscité, sinon à leur côté pour lutter avec eux et les encourager à se relever. C'est dans cet esprit que nous voulons maintenant, Seigneur, te présenter notre monde. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin que nous vivions dans la joie de ta résurrection. Soyons le signe visible de ta présence. Nous prions pour les responsables de ton Église, afin qu'en célébrant ta résurrection, avec tous les croyants, ils soient fortifiés dans leur service. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent contre les forces de mort, en serviteurs de justice et de paix. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, que ta résurrection soit pour eux source de réconfort. Enfin, nous faisons silence pour nommer dans nos cœurs les personnes qui nous sont proches et qui ont besoin d'être relevées par ton amour. Et ensemble, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Thank you.
nous arrivons bientôt au terme de notre célébration du matin et j'aimerais remercier toutes et tous pour votre participation. Merci musiciens aujourd'hui, magnifique musique. Merci aussi à Daniel qui toujours prépare la table et qui nous accueille dans ce lieu en ayant tout préparé à l'avance. Merci aux familles qui étaient là ce matin avec nous et aux plus jeunes. C'est toujours un bonheur de voir les enfants avec nous pour ces célébrations. Tout à l'heure, nous pourrons participer lors du dernier cantique. Je pense que vous avez déjà su de quel cantique il s'agira. L'offrande sera recueillie. Il s'agit de soutenir le travail du département missionnaire qu'il fait notamment au Bénin. Ce soir, il y aura le culte du soir. Après le culte, évidemment, un après-culte où j'espère vous retrouver nombreux. Et si vous êtes ici de passage ou moins habitués à notre communauté, n'hésitez pas à prendre la feuille du mois ou le journal de paroisse qui vous donne toutes les indications sur ce que nous vous proposons, notamment pour les familles, les enfants et toutes les générations. À propos de générations, nous aurons bientôt, au mois de mai, tout d'un coup j'ai un doute, le 5 mai, notre prochaine soirée intergénérationnelle. Ce sont des grands moments de la vie communautaire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours nous signaler votre intérêt. C'est des beaux moments de partage entre les plus jeunes qui préparent, c'est une équipe de jeunes qui prépare, et selon la terminologie, les jeunes depuis plus longtemps qui se réunissent pour partager des expériences de vie. Voilà, nous allons donc chanter au cantique 318 pendant lequel l'offrande va être recueillie. Donné de croire que tout est encore possible, que nos existences, quelles qu'elles soient, peuvent se remettre debout et choisir enfin la liberté. Pâques, bienheureuse minute où la nuit cède enfin le pas aux premières lueurs de l'aube. Pâques, temps béni où nous pouvons enfin nous risquer à devenir ce que nous sommes, des marcheurs, des nomades, des aventuriers, les yeux rivés vers la terre promise de notre propre résurrection. Amen. Et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur
et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec chacune et chacun d'entre nous. Le Seigneur a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Allons avec l'assurance que la résurrection est à l'œuvre en nous. Amen.